وعطاء ضيا ما بدا قاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويا ما بدا قاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ماشاء الله. السلام عليكم. عائشة. عائشة fini oui, la, le prière oui. d'Aïcha fini oui c'est fini ah parce que moi je suis voyageur oui, donc c'est fini. Alhamdoulilah je vais Alhamdoulilah. Et aujourd'hui, direction Barakou, 300 km. Et puis on va à Barakou normalement. On part. Petit déjeuner, on est parti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On est dans la cinquième journée au Bénin. Donc, alhamdoulilah, on a été visiter maintenant les terrains qui sont à vente. On a été impressionnés. Franchement, on garde. Vous allez voir quelques vidéos mais des terrains qu'on recherche. Mais vraiment, comme je vous ai dit, on part pas comme ça à l'aventure. On doit vraiment bien tout réfléchir, bien, ça prend du temps. Et quelqu'un qui croit qu'il va faire un projet d'une telle ampleur, sans prendre du temps, sans prendre toutes les informations, sans bien voir le pour, le contre, c'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Donc vous savez, on a une énorme responsabilité devant Allah. On essaye de faire ce projet pour plaire à Allah. Et donc vraiment, il faut continuer à travailler en équipe. Peut-être moi je suis ici, je suis en train d'être l'éclaireur, mais il y a un énorme travail qui se fait en amont. Tous les sympathisants, tous les frères du noyau, Mashallah, je vois une équipe, une dynamique. C'est comme si je me fais pousser, alhamdoulilah, à travers toute cette équipe. Et ça, c'est très très important pour qu'on continue. C'est le projet d'une vie. C'est le projet de toute une vie. Donc c'est un projet pour l'éternité. C'est chaque action qu'on va faire, c'est pour l'éternité. C'est pour qu'on on reçoit des hasanets d'Allah, pour qu'on puisse dire, voilà Allah, j'ai voulu émigrer, j'ai voulu aller dans un endroit où je peux mieux pratiquer ma religion, j'ai voulu essayer d'améliorer, j'ai voulu vivre de la nature, de la permaculture, j'ai voulu vivre en autonomie, tu vois, j'ai voulu vivre, donner de la nourriture à ma femme et à mes enfants d'une manière halal, ou à mes frères, aux gens qui sont pauvres. Et voilà, j'ai mis des arbres. C'est ça le but. Donc chaque personne qui soutient ce projet, vous êtes en train de collaborer à une alliance de bien. Et c'est ça qu'il faut vous dire. Vous êtes peut-être là-bas à Paris, en France, au Canada et tout ça, en Indonésie, partout dans le monde. Chaque fois que vous mettez une pièce ou que vous soutenez ce projet, vous êtes en train de soutenir un projet qui va peut-être prendre des ampleurs. On ne sait même pas, parce que peut-être dans 10 ans, HPA va être partout dans le monde. On ne sait pas comment Allah y met la baraka. Donc il faut continuer. Ne surtout pas lâcher, pas se dire maintenant ça y est, il est au Bénin, c'est bon, on a 10 000 et puis voilà, c'est bon, il pourra acheter son terrain et tout ça, parce qu'il y a encore du travail à faire, après il y a encore du... On aura toujours besoin de votre soutien, parce que c'est un travail à long terme. Donc qu'Allah vous récompense, on vous montre maintenant les vidéos des terrains qu'on a vus et puis on verra. Et on reste toujours motivé, et qu'Allah vous protège et qu'Allah nous facilite. Et vraiment, alhamdoulilah, pour l'instant, on voit les signes qu'Allah il nous montre. Et honnêtement, tous les signes sont positifs. Donc on espère que
que ça va continuer comme ça. Donc maintenant, rendez-vous à Parakou. On va partir à 300 km vers le nord et on va aller voir les terrains là-bas aussi. Donc on visite tout le Bénin pour essayer de voir où le meilleur endroit où Allah il peut nous mettre avec tous les avantages et les inconvénients. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Timothée nous envoie des endroits. C'est New York, New York City. Mais pour ceux qui n'oublient pas d'où ils viennent et qui redescendent du nuage, modestement, et on mange bien et modestement. Moi, je voulais aller à l'hôtel. Il m'a dit non, Jean-Louis, redescends. Avec ton petit budget, redescends. Et il m'a ramené à un bon endroit où on mange bien. يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما Voilà, ça c'est les maisons. Et ça appartient au terrain. Si on achète le terrain, ça appartient au terrain. Mais je vais rencontrer maintenant le responsable et discuter avec lui s'il peut travailler, collaborer avec nous et être nos futurs travailleurs du champ. Voilà, comme ça vous voyez un peu. J'ai vu le terrain qui a été travaillé par notre frère là, depuis des années. Donc on ne pourra pas l'éjecter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout le travail que lui, il a fait. Et enlever nous tout ça. Et tout ce que vous voyez, les 100 hectares, eh ben, ils sont comme ça. Il faut enlever les arbres, il faut enlever tout. Et tout est brut. Donc ça ne sert à rien que je rentre en profondeur parce que les 100 hectares, ils sont comme ça. Pas travaillé et brut. Donc si vous voyez cette image-là, ça suffit pour voir tout ce qu'il y a là-bas. C'est à peu près la même chose tout le temps. Voilà, vous avez 100 hectares comme ça. Si vous prenez 10 hectares comme ça, eh ben, il faudra tout refaire. Et où on a été montré, soit on l'éjecte comme quelqu'un sans pitié, mais ça c'est impossible hein, dans notre religion de faire ça. Alors on patiente, voilà. Et qu'Allah lui donne une grande réussite. Maria. Mm. Yes, I'm anime. Donc voilà. I will beat you. Donc là le terrain ici, ça appartient dans le cœur à monsieur. Même si c'est pas dans les papiers et on pourra pas le faire partir, il voudrait même pas travailler avec moi parce que il me connaît pas et tout ça. Donc même si c'est pas à lui dans les papiers, c'est à lui dans le cœur pour lui. Et je me vois mal enlever toute cette maison pour surtout qu'il veut pas travailler avec nous et lui dire maintenant tu dois partir parce que je suis propriétaire. C'est pas possible. Donc voilà. يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور والله يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء يا نجما شع Donc moi je dois encore passer une nuit au cachot et après je dois absolument trouver un billet d'avion pour partir parce que je partirai demain, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite si c'est possible. Donc je vous tiendrai au courant.
mais je ne peux pas garder mon téléphone, malheureusement. Voilà, qu'Allah nous facilite. بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشادت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا مالا بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال فشادت كل الدنيا فرحا زهرا نينا غصنا Ah non, 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 je vous filme pas. Je vous filme pas, je filme que le. Pour être sûr que moi aussi j'ai pas de problème. Chacun pense à sa sécurité. Ah, c'est de l'arbre, un arbre là, tu vois. Cajou. C'est le cajou. Parce que je voulais acheter un terrain et j'ai mis ça sur le terrain, il y avait ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, je voulais faire cette vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, expliquer mon extradition et les 4 jours qu'on a passé au Bénin et comment ils m'ont arrêté et qu'est-ce qui s'est passé jusque-là. D'abord, louange à Allah. Allah, il est le meilleur des stratagèmes. Alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, les chayatines et les démons, ils essayent de ruser, mais Allah, il est le meilleur en stratagèmes. Et je fais toujours confiance en Allah et cette épreuve est un cadeau pour nous. Donc on espère qu'Allah va nous récompenser comme si on avait voulu faire la hijra. Donc on continue à être aussi déterminés. On veut partir, on ne veut plus enlever le foulard de nos filles pour aller à l'école comme si on m'enlevait mon pantalon pour que j'aille étudier. Je n'accepterai pas. Je n'accepte pas que quand je ne veux pas tenir la main d'une femme ou serrer la main d'une femme, on me dit « Ah mais tu es extrémiste ». Pourquoi tu ne veux pas faire la bise, pourquoi tu ne rases pas ta barbe, pourquoi tout ça. Non, je vais vous trouver un endroit où je peux pratiquer ma religion en paix, où je peux travailler de la permaculture et où je peux être en autonomie. Ça, c'est mon objectif et je ne changerai pas. Je sais qu'est-ce que j'ai comme croyant, je sais que je n'ai pas envie de tuer des innocents, je sais que je ne veux pas recruter ou quoi que ce soit, mais vous allez voir, alhamdoulilah dans la vidéo. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi, comme prévu, je devais visiter tous les terrains avec qui j'avais des contacts avec les gens. Et mon but, c'était quoi? C'était de visiter tout Parakou pour après me faire le bilan où ça serait le mieux d'acheter le terrain. Donc lundi, on est parti. Je suis parti à Kétou. Vous allez voir normalement les vidéos. Inch'Allah, on va vous montrer l'endroit pour que vous compreniez tout le chemin que j'ai dû prendre. Donc je suis parti à Kétou. De Kétou, je suis parti à Dassa. Kétou, j'ai pas aimé. On n'a pas aimé. Même le groupe n'a pas aimé trop. Puis après Dassa, on a trouvé un très beau terrain. On était fort enthousiaste, on avait vraiment envie de parce qu'il y avait des possibilités. Et voilà, et puis je suis parti avec Timothée, le chauffeur et moi. On était à trois et on a dû prendre l'hôtel parce qu'il était tard. On a pris l'hôtel, on est resté à l'hôtel et on devait partir à Parakou le lundi. Quand on est parti à Parakou le lundi, tout s'est bien passé et j'avais rendez-vous avec Alphonse Saï. Pas Saïd, Saï. Très important, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc à ce moment-là, une fois qu'on est parti à 4 à Parakou, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les 4, on est parti pour aller voir un terrain. On est parti voir le terrain, ça n'allait pas, je ne vous rentre pas dans les détails. En revenant, notre chauffeur se fait flasher à 78 km/h au lieu de 50. Voilà, on doit payer une amende, on s'arrête, on paye l'amende. Et puis de là, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? On voit un général ou quelqu'un de très haut placé qui vient nous interpeller. On se dit, qu'est-ce qui se passe pour une amende, pour 80 km/h, qu'est-ce qui se passe? On accepte, on obtempère, il nous dit, il faut aller à le commissariat de Dassa. On y va, de Parakou, dans les environs, excusez-moi. Donc on y va, on reste là, et là on voit vraiment que ça devient très sérieux, quoi. On voit qu'ils nous disent, non, on va devoir partir à Dassa. Et nous voilà directement partis à Dassa. On s'est dit, pourquoi? Pour une amende?
un excès de vitesse, de dire on a payé sur place, tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe? On se pose 30 000 questions, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je commence à expliquer, peut-être que c'est parce qu'il croit que je suis un méchant terroriste qui veut kidnapper des petits-enfants pour les recruter. Et le scénario quotidien, vous savez sur quoi je vis tout le temps. Et là, je continue, on va à Dassa. Donc, on est qui? Saï, le chauffeur, le Timothée et moi. On est parti pour aller en Dassa. On prend la voiture de Timothée et on descend à Dassa. On dort la nuit là et puis le lendemain, on va à Cotonou. Là, subhanallah, là je vois que c'est sérieux. Quoi. On fait tout le chemin retour. Et là, je vois, subhanallah, on se retrouve dans une situation où je rentre dans un bureau et là, je vois que c'est les directeurs. En fait, c'est comme, tu vois, le grand rendez-vous des grosses têtes là. Ils sont tous là. Et donc là, je vois plein de gens. Là, je vois vraiment une organisation, je vois le truc. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Le bureau, tu vois, le bureau des grandes rencontres, quoi, de grands rendez-vous. Vous voyez un peu la scène. À ce moment-là, il me dit, vous inquiétez pas, je vais vous traiter comme... vous allez traiter humainement. Je dis, oh là, ça sent vraiment mauvais, quoi. Ok, je pars, et là, j'ai les questionnements, ils commencent à venir. On commence à me poser des questions. Et là, je vois, je ferai une autre vidéo pour voir ce que la Belgique elle, en pense, c'est un autre dossier. Mais là, je vois là, ils sont en train de parler. Et vous êtes pour charia for Belgium, et vous voulez la charia, et vous voulez ci, et vous avez recruté, vous êtes venu pour ça. Et ils questionnent tout le monde. Et on se retrouve à quatre dans une petite cellule, en train d'être questionné. Et chaque fois, et pourquoi vous êtes venu au Bénin, et quel argent, et voilà. Et chaque personne est questionnée, et le fameux Saï, ils veulent absolument qu'il s'appelle Saïd. Et il veut absolument qu'il est musulman. Et qu'il m'a aidé pour recruter. Et subhanallah, comment Allah il a fait les choses. Je me retrouve dans la voiture avec Timothée, chrétien. Un autre qui croit à la réincarnation. Un autre qui croit qu'il est un évangéliste. Et je me retrouve, moi, musulman. Et il dit, ça colle pas. Il faut au moins un musulman qui dit comme ça, on peut le coller recrutement, qui recrute. Eh ben non, même Saï, c'est un évangéliste, Saï. Et il dit non, tu t'appelles Saïd, regarde, tu as une barbe. Parce qu'il avait une barbe, parce qu'il veut se faire passer un peu moins jeune. Alors il a envie de se porter sa barbe pour se porter moins jeune. Vous vous rendez compte comment là il fait les choses? Et puis là, ils sont bloqués. Donc de là, il faut les dépositions. Et le vendredi, nous voilà devant le procureur. Là, le procureur... Il nous dit, mais pourquoi vous êtes venu et tout ça. Et voilà, le dossier, il n'y a rien. Il est vide. Il faut vraiment être insensé pour dire que moi, je viens recruter alors qu'il n'y a rien. Et puis, pour finir, et là, vous connaissez la suite, il faut m'extrader. On annonce qu'il faut m'extrader, qu'il faut que je quitte le territoire. Et samedi, directement, il m'envoie un avion. Je dois payer un avion en plus, je dois revenir et me voilà ici. Quoi. Donc, vous voyez, subhanallah. Donc, en fait, même comme ça, même malgré... Et ce que je reproche, la Belgique, elle vient, elle dit, voilà, il était pour la charia et tout ça. Ça, c'est venu de qui? C'est venu du dossier, je ne sais pas d'où ça vient. Mais moi je ne suis pas dans les secrets de l'État. Mais vous imaginez, en fait, que le truc le plus fou, c'est qu'ils sont en train de m'envoyer des trucs. Les gens, les Béninois sont devenus parano. Moi, personnellement, je laisse ça à Allah. L'essentiel, c'est que j'ai voulu faire la hijra. Je continue à vouloir faire la hijra. On va continuer ce travail, on va rien lâcher. Le but c'est de émigrer pour aller sauver notre religion. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a. Si demain ils veulent nous persécuter, eh ben on demande qu'Allah nous raffermit, qu'il nous donne une belle patience. Mais vouloir vendre sa religion et rester dans son fauteuil et se dire eh ben voilà, on va se soumettre et on va accepter. Non, ça on ne doit pas faire. Parce que au bout du tunnel c'est l'enfer. Qu'Allah nous préserve. Voilà, vous avez un peu un résumé de ce qui s'est passé. Et on ne lâchera rien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي